Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision, lundi 5 décembre 2022 en direct et en exclusivité, Georges Yalala, combattant de l'IDP Sonore. Qui vous Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour les téléspectateurs, et bonjour tous les Congolais. Et nous vous demandons encore bonne audition et surtout bon suivi pour cette émission que nous voulons amorcer cet après-midi. Nous vous remercions. D'accord, nous avons encore le plaisir de vous recevoir chez nous en exclusivité. Georges, quelles sont les bonnes nouvelles que vous avez, surtout au Nord Kivu en général? En fait, d'une manière générale, le Nord Kivu va, je dirais, quasi totalement bien. Le Nord Kivu n'a pas connu des agitations à part certaines exactions que le M23 a fait hier dans la cité de Kiwanja où les éléments du M23 ont brûlé la véranda culturelle de la communauté Nande. Et le M23 a même emporté certains jeunes dans la cité de Kiwanja, précisément dans le quartier de Mabungo et le quartier Buturande, vers le Kachemou là-bas, il y a des jeunes qui ont été portés disparus et jusqu'à présent, aucune nouvelle pour leur destination. Ça, c'est à Rutshuru. Bon, pratiquement dans la province, le grand nord de Beni, Butembo, Lubero, la situation semble être calme. Et Walika, le Masisi, rien à signaler, au moins tout va bien. La ville de Goma où nous sommes, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup à donner comme information. À part c'était des rapaces, des décryptements des balles des voleurs, qu'on appelle souvent communément des 40 voleurs et d'autres voleurs de grands chemins. Revenons sur la situation des Kishishe. On en a parlé la fois passée, oui, monsieur Georges. Oui. On a besoin de savoir actuellement qui occupe Kishishe. En fait, Kishishe est occupé par les éléments de... M23. Non. Les éléments des autodéfenses, je dirais les éléments de la force populaire, disons la résistance populaire. Donc les Maïmaï. Bon, je ne dirais pas directement les Maïmaï parce que je ne sais pas quelle frange je vais donner. C'est par les groupes de vigilance alors. Voilà, des groupes de vigilance. Parce qu'il y aura plusieurs franges des Maïmaï. Ces jeunes répondent à l'appel du président Tshisekedi. Quand je parle des Maïmaï, je peux risquer maintenant répondre à une deuxième question, quelle frange? C'est d'accord. Pourquoi, je me dis, il y a seulement des groupes de vigilance. D'accord. Kishishe et Goma, combien de kilomètres, vous avez dit? En fait, de Goma jusqu'à Kishishe, il y a au moins 120 kilomètres. Une centaine. Parce que quand vous quittez, donc de Goma à Kiwanja, 80 kilomètres. Et de Kiwanja jusqu'à Kishishe, il y a environ une quarantaine de kilomètres. Parce que quand vous quittez Kiwanja jusqu'à Mabenga, il y a environ 25 kilomètres. Et de Mabenga, monter vers Kishishe, vous voyez, c'est appelé parc de Virunga. Vous montez, d'accord. Et arrivez maintenant à Bambo Kishishe, il y a environ une sorte de 25. Merci Georges. Aujourd'hui, la toile congolaise est alimentée par les propos du président Tshisekedi. Dans son intervention hier, nous l'avons suivi. Il semble recadrer le président rwandais, Paul Kagame, lui qui l'a traité la fois dernière d'un faussaire. Il avait qualifié le président Tshisekedi de tricheur, un usurpateur qui n'avait pas été élu par le peuple congolais. Tshisekedi aussi revient avec force. D'abord, comment vous l'avez suivi la déclaration du président Tshisekedi? En fait, ce qu'a dit Tshisekedi, d'ailleurs un ami venait de le décortiquer ici, il dirait que c'est comme si c'est une voix
qui viendrait d'un esprit saint. C'est-à-dire, c'est comme si Tshisekedi est ouin d'un esprit qui est réellement venu de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'a dit Tshisekedi, c'est quelque chose qui a réellement été à sa juste place. Donc, il a recadré, il a donné des grandes orientations purement, je dirais peut-être panafricanistes, à son homologue Paul Kagame. Tshisekedi a utilisé des mots corrects. Oui. Quand il demande à Kagame que Kagame ne doit plus chaque fois se prendre comme un fouet utilisé par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est un marionnette à outrance pour donner la mort à ses frères africains. Oui. Et ce que Dieu d'ailleurs dit, les Rwandais que nous voyons, nos frères rwandais, population rwandaise, sont nos frères. Comme l'a toujours dit, sont nos frères. Oui. Seulement, le problème au Rwanda, c'est le régime. Oui, d'accord. Essayons un peu d'analyser mot par mot du président Tshisekedi. Vous venez de le dire. Il a dit, je cite, les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est-à-dire, il veut tout simplement dire que nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Le peuple congolais et le peuple rwandais, il n'y a jamais eu de problème. Seulement aujourd'hui, si le Congo a des problèmes avec le Rwanda, c'est question de régime. C'est-à-dire, la gestion politique rwandaise, elle ne converge pas avec les principes internationaux de la démocratie. Et puis, il dit ceci, ils ont besoin de notre aide, c'est-à-dire les Rwandais, qu'il a qualifiés de nos frères et de nos sœurs. Et puis, il ajoute que ces frères ont besoin de notre aide, de la solidarité congolaise, pour les débarrasser des dirigeants qu'il a qualifiés rétrograde. Ça signifie quoi? C'est un mot. Vous voyez, quand il parle d'un dirigeant rétrograde, oui. Il a d'ailleurs encore se rappelé de certaines époques. Mm-hmm. Il a parlé de l'époque des années 60, oui. Des années 70. C'est-à-dire, Kagame, lui, voudrait encore gérer ce petit Rwanda, mm-hmm. comme si c'était encore l'époque coloniale des dictatures. Oui. Vous voyez, à l'époque 60, mm-hmm. on a créé des dirigeants forts, d'hommes forts. Je peux me rappeler, vers les années 60-70, mm-hmm. il y a eu d'hommes forts en Afrique. Par exemple, au Nigeria, il y avait les Anita Bacha et les autres qui étaient des grands dictateurs. Et maintenant, cette époque-là est déjà révolue. Quand nous arrivons aux années 60-70, c'est l'époque de Mobutu. C'est Mobutu qui monte réellement au créneau dans sa dictature. Qui était le seul coq qui pouvait chanter à l'Afrique. Hein? Kukungwendu Azabang. Ouais. C'est-à-dire un seul homme qui peut seulement décider sur tous les hommes. Mm-hmm. Ça, c'est la gestion qui est déjà dépassée, qu'on a appelé une gestion rétrograde, mm-hmm. une gestion à rebours, une gestion qui ramène encore les gens vers l'ancienne époque. Ça, c'est révolu. Le monde actuel a besoin d'un avancement. Et l'avancement est déjà là. Maintenant, les gens veulent toujours nous ramener dans les histoires qui sont déjà passées. Ne sachez plus que aujourd'hui, les sociétés ont connu des mutations sociales. Il y a une grande évolution. Et cette évolution part avec aussi la politique. La politique évolue. Aujourd'hui, c'est la démocratisation d'ailleurs du monde entier. Si vous ne voulez pas vivre la démocratie dans votre pays, vous aurez toujours des problèmes de gestion. C'est que Kagame et Museveni ont oublié. Aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Imaginez par exemple, au Kenya, il y a la démocratie. En Tanzanie, la démocratie est là, alternance. Même au Burundi, en RDC, n'en parle plus. Mais seulement le Rwanda et l'Ouganda, des pays, je dirais, voyous, qui ne savent même plus qu'il faut évoluer, il faut se débarrasser de certaines techniques qui ne sont plus à la mode. C'est ce qu'a voulu dire Tshisekedi. C'est une gestion rétrograde. Ouais. On poursuit avec ces propos où
le président Tshisekedi dit ceci, je cite parce qu'on l'a suivi vraiment avec un ton trop ferme. Il dit ceci, il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherai, j'aurais honte d'assumer les faits qu'on sème, la mort et la désolation. C'est honteux et diabolique. Président Tshisekedi. Effectivement. J'ajoute, c'est honteux, c'est ridicule et c'est satanique. C'est-à-dire, imaginez vous qui vous réjouissez dans les morts des gens. Quand les gens meurent, vous tapez la poitrine. Ça n'a pas... C'est inhumain. C'est sauvage. D'ailleurs, les sauvages sont mieux que celui qui peut seulement... Et ça dit qu'il peut seulement, se contenter des cadavres. Par exemple, ce qui s'est passé à Kishishi, oui, la semaine passée. Quand vous voyez les images, donc, vous avez une chair de poule. Vous trouvez, c'est encore donc, quelqu'un... Je dois parler une centaine de morts. C'est 129 personnes. Le nombre exact aujourd'hui, 129 personnes. C'est presque le carnage que ces mêmes hommes nous ont toujours causé à Beni. Quand vous arrivez à Beni, vous voyez comment on a décapité les têtes des gens. Vous vous dites, mais finalement, c'est lui qui a fait ça. Est-ce que réellement c'est inhumain? Même Satan, je pense que Satan peut ne pas même faire ça. Oh. Mais imagine une personne, encore. La personne la plus vulnérable, un enfant de 3 ans. Est-ce que c'est quelqu'un mais qui fait là, c'est l'M23? Je le répète, je le dis et j'affirme ce qu'a toujours notre gouvernement, c'est le Rwanda. Sous la belle. Mais d'ailleurs, l'M23 a rejeté cette thèse, on acquise des maïmaï que vous dites aujourd'hui aux kips qui chichent. Ce n'est pas ça. Je peux encore revenir sur l'histoire. Après qu'on ait infligé une lourde perte aux éléments du M23 qui voulaient prendre Kishishi, jusqu'à point à abattre un général, c'est ainsi que ces gens vont maintenant venir faire la représailles, une revanche, malheureusement contre la paisible population. Pourquoi ne fallait-il pas s'apprendre aux militaires, aux éléments de résistance? Mais malheureusement, on s'apprend à la population. Quand vous prenez les images, la majorité, ce sont des femmes, des enfants. Je vais vous donner une chose. Un enfant de 3 ans, un enfant d'une année, que vous décapitez avec une hache. Imaginez la hache avec toute la force possible. C'est-à-dire, vous vous vengez contre quelque chose qui n'a même pas de force. Donc, c'est comme s'il y a une force disproportionnée et qui n'a même pas sa raison d'être. Et bébé, lui, le bébé ne sait même pas pourquoi il meurt. Les femmes sont des cultivatrices. Elles font les champs. Elles ignorent tout autre acte politique que l'M23 vient leur imposer. Et maintenant, vous trouvez cela vos ennemis. Quelle honte! D'accord. C'est vraiment triste. Nous avons suivi cette affaire. Alors, messieurs, Georges parlait aussi de cette actualité. Je vous assure, en tant que commandant de la force régionale kényane, que le M23 ne prendra jamais la ville de Goma. C'est très impossible. S'il y a un ami du M23 ici dans la salle, il peut aller leur dire ça. C'est le général Jeff Nyang, commandant des troupes de l'EAC. Il l'a déclaré aujourd'hui parce qu'il y a une cérémonie qui est en cours de clôture des assises de Nairobi qui ont réuni des centaines de groupes armés dans ces dialogues-là sur la paix en RDC. Comment vous analysez ces propos? C'est déjà commenté sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre analyse, monsieur Georges? En fait, je pense que si Félix a évité tous ces pays-là pour la paix, je pense qu'il n'a qu'à répéter ce que la RDC attend de lui.
Kaidi ne prendront jamais Goma. Mais le FADC l'avait déjà dit. Chico l'avait déjà dit. Goma ne tombera jamais entre les mains du Rwanda. Oui. C'est révolu. Mais quand il vient aussi réaffirmer, bon, nous on se réjouit, on se dit bon, en fait, il faut maintenant qu'il marie les paroles aux actes. Et effectivement, si réellement ils viennent pour la guerre, nous les attendons aux actes. Nous voudrions que Bounagana soit récupéré dans les plus brefs délais. Et comme ça, on va réellement coter très bien la force régionale. Et quand il affirme déjà comme ça, moi, politicien, je me dis très bien, c'est déjà un pas. Mais le dernier pas, c'est quand je vais voir tout l'espace Kongi par le M23 être repris et ramener nos déplacés. Quand vous arrivez, par exemple, à Don Bosco, à Kanyaruchinya, ça donne une pitié, c'est triste. Donc, vous trouvez que finalement, c'est lui qui fait ça. Est-ce qu'il est humain? Finalement, il veut quoi? Alors, monsieur Georges, en suivant ces accrochages entre le président Tshisekedi et le président rwandais, mais avant, je l'ai dit d'ailleurs au début que Tshisekedi réagit quelques jours après que le président rwandais est qualifié le chef de l'État congolais d'un usurpateur, d'un faussaire, quelqu'un qui n'a pas une légitimité. Avec ces accrochages, qu'est-ce qu'on peut craindre, M. Georges, dans les jours à venir? Il n'y a aucune crainte là-dessus. Par contre, Kagame se retrouve déjà très maigre dans sa veste. Il semble être l'homme le plus fort aujourd'hui dans la région, M. Georges. Il est déjà plus amoindri dans sa culotte. Il ne sait plus quelle position prendre. Mais c'est l'homme fort de la région. Il sait très bien que l'avènement de Tshisekedi, c'est la période la plus difficile pour Kagame. L'avènement de Tshisekedi au pouvoir actuellement, mais au début, ça ne serait pas le cas. C'est le début même de la fin du régime Kagame. Et c'est actuellement qu'on peut dire ça, mais au début, ce n'était pas le cas. Même au début. On a vu des partenaires fiables. Tshisekedi savait très bien que Kagame avait des problèmes à la RDC. Et Tshisekedi, lui, comme un homme sage, je dirais, c'est quelqu'un qui est inspiré de Dieu, quelqu'un qui est venu réellement tout droit de l'Éternel. Lui a privilégié plus la paix, la collaboration, que la guerre. Comme tout homme normal. Lui, il a trouvé que Kagame, même si tu as toujours été diable, moi, je voudrais t'amener maintenant, te baptiser, te transformer. C'est dans ce même cadre, oui. Monsieur Georges, on a vu. Tshisekedi, c'est lui qui a amené Kagame à Kinshasa. On a applaudi pour Kagame. Et d'ailleurs, on l'a même amené au stade des martyrs où il a c'était eu... C'était lors de la cérémonie des obsèques. À l'époque, ils étaient des vrais partenaires. Etienne Tshisekedi. C'était des partenaires fiables à l'époque. Je le répète, Tshisekedi a voulu baptiser, a voulu transformer Kagame, a voulu transformer le cœur même de Kagame. Oh. Malheureusement, Satan reste toujours Satan. Le baptême n'a pas pu aboutir. Donc il n'y a pas eu la et force. Et c'est ainsi que maintenant, on m'allait, m'allait égal. Oh. C'est-à-dire. Quand vous venez par avec une politique qui ne cadre pas, il faut vous attendre aussi à un blocage ou alors à une réaction contraire. C'est-à-dire, quand ce qu'il trouve que mon partenaire politique, c'est un inchangeable, quelqu'un qui n'a pas de remède. Il faut maintenant utiliser notre remède pour l'anéantir et surtout l'écarter même de la scène politique de la région. Qui va écarter qui? C'est-à-dire quoi? Monsieur Georges, qui va écarter qui? Parce que la politique est ce qu'est d'aujourd'hui. Oui. Vous-même venez de me parler que le commandant de la force kenyane, il hausse le ton. La question, Vous dites dans la région qui va écarter qui? Je le répète, l'avènement Tshisekedi, oui. Avec cette collaboration des organisations régionales, prouve déjà que
Kagame n'a plus beaucoup de temps de règne. Parce qu'aujourd'hui, Kagame, il ne passe même pas des jours qu'il ne fasse pas de communication. Alors que jadis, il pouvait même faire toute une année. C'est-à-dire, quand quelqu'un est mal tenu, quand quelqu'un a été mal saisi, il crie. N'est-ce pas? Quand vous êtes, par exemple, bien étouffé, vous devez toujours crier pour chercher secours. Merci. C'est la place de Kagame aujourd'hui. Merci. Chaque jour, il fait des cris. Merci parce beaucoup. Parce qu'il est malmené. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir accordé l'interview exclusive chez vous. On ne sait pas vos coordonnées. En fait, nous sommes toujours à contact au numéro plus 243 9 79 27 31 68. Merci beaucoup oui. d'avoir été là ce matin, mesdames et messieurs. Merci également de nous avoir suivis et regardés sur Congo Live Télévision. On fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.